Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, maquillée comme une voiture volée. Oui, ça va être mon nouveau look de maintenant, voilà, je vais sortir comme ça dans la rue. Non, c'est parce que je participe au brush contest. Donc je me présente à vous maquillée de cette façon pour vous parler d'un petit appareil que j'ai découvert et qui a vraiment été révolutionnaire dans ma routine soin, dans le sens où il a vraiment amélioré l'aspect de ma peau et que donc je tenais à vous en faire part. Tout d'abord, je dois vous dire comment je me suis tournée vers cet appareil. C'est donc ce petit appareil, c'est le Tanda Luxe Light. C'est un appareil de photomodulation. Pourquoi je me suis tournée vers un appareil de ce genre? C'est tout simplement après une des vidéos de Natamelli, je vous mets le lien en barre d'infos, qui expliquait qu'elle avait découvert cette méthode-là et que du coup, effectivement, sa peau était plus rajeunie, qu'elle avait une meilleure mine, que c'était vraiment un coup d'éclat exceptionnel pour sa peau. Le seul souci, c'est que son appareil à elle coûtait dans les 300€ et que là, bon, moi, bon, je veux bien être narcissique et prendre soin de moi, dépenser des sommes folles en cosmétiques, quand même, il arrive un moment. J'ai aussi le sens de l'indécence et j'ai aussi mes limites. Donc j'ai fini par trouver au gré de mes recherches sur le net un appareil qui coûtait dans les 99€. Je l'ai eu avec une promotion, je l'ai acheté sur la Redoute. Donc la photomodulation, qu'est-ce que c'est? Bien écoutez, j'ai envie de faire appel à un spécialiste, hein. Bah ouais. La photomodulation LED, c'est un progrès révolutionnaire dans le traitement esthétique qui produit un rajeunissement cutané naturel et indolore. Le temps altère notre peau. L'âge, l'exposition solaire, le stress, le tabac, l'excès d'alcool sont autant de facteurs qui contribuent au vieillissement de la peau, au développement des rides, de taches et de rougeurs cutanées. Comment agit la photomodulation? La lumière émise par la photomodulation LED, lumière émise par diode, stimule la production de collagène et d'élastine dans le derme. Elle agit non seulement sur les effets du vieillissement et sur la peau abîmée, mais elle inhibe également l'activité de la collagénase, qui est l'enzyme responsable de la dégradation du collagène et donc de l'accélération du processus de vieillissement. Est-ce que la photomodulation est douloureuse? Non, on ne ressent aucune douleur et l'énergie délivrée n'entraîne aucune rougeur. C'est le cumul des séances qui permettra d'obtenir le résultat escompté. Pour quel type de peau la photomodulation est-elle recommandée? Eh bien pour tous les types de peau. C'est-y pas magnifique? Pour les peaux sensibles, bronzées, blanches ou noires. Toutes les peaux dont on aimerait améliorer l'aspect, la tonicité, le grain de peau et l'éclat. Quels sont les avantages de la photomodulation par LED? Eh bien c'est une technique sans agression cutanée, ni douleur, sans arrêt de travail, ni marque sur la peau photo-exposée. Qu'est-ce que la photomodulation va améliorer? Eh bien, il faut savoir que les modifications de la peau sont progressives. Après 4 à 6 mois, les ridules continueront à diminuer au fur et à mesure que le collagène se forme et que la peau se renforce et augmente d'épaisseur. Des études cliniques démontrent que la peau devient plus douce, plus lisse et que la taille des pores devient plus petite. Ah ouais, quand même, tout ça. J'ai maintenant un recul d'un peu plus de 3 semaines et j'ai pu voir vraiment les effets très très vite sur l'aspect de la peau. Les ridules, les rides, l'hydratation, la luminosité du teint, le grain de peau et l'apparence tout simplement du teint. Donc je pense que ça vaut le coup quand même d'investir dans cette chose. Et peut-être qu'on peut le trouver même moins cher. Faudrait regarder, j'ai pas vraiment cherché. Moi j'ai pris au plus simple sur la Redoute parce que bon, la Redoute c'est un site que je connais très bien. J'ai une carte premium avec les frais de port offerts. Bon, je suis allée là-dessus, j'ai pas vraiment cherché plus loin quoi. Ça restait un peu dans mon budget donc ça allait. Donc en gros, l'appareil se présente, vous le recevez dans une boîte comme ça. Il est vendu avec des petites lunettes de protection que vous pouvez mettre comme ça. Comme, moi j'utilise pas, hein. Vous pouvez mettre des comme. Attends, j'y arrive pas, attends. Ah! Il est sur secteur celui-là, voilà, j'ai reçu le secteur, mais apparemment on peut le recevoir avec batterie, mais bon moi j'ai préféré sur secteur, c'est beaucoup plus simple, hein, ça se décharge pas etc la batterie. Alors on vous dit que 2 fois par semaine suffisent pour avoir des résultats, moi j'essaie de l'utiliser plus souvent, pas quotidiennement parce que des soirs j'en ai un peu, voilà j'ai pas le temps. Et ce que j'ai pu constater vraiment, les ridules diminuaient, mais vraiment, c'est-à-dire que le creux était rehaussé, notamment ma ride du sillon nasogénien, parce que moi j'ai tendance à me rider que d'un côté, je pense que c'est parce que je dors que d'un côté, donc forcément j'ai un côté qui est plus impacté que l'autre, et j'ai notamment une ride qui commence à se creuser vraiment ici, là, autour du sillon nasogénien, et là, elle a vraiment, elle est rehaussée. Donc là, je dois pas en parler, parce qu'il veut pas que je parle de lui, mais mon mari, 2 jours après avoir commencé à utiliser cet appareil, donc un matin que j'avais la tronche vraiment dans le... Mon mari un matin il fait « Oh, tu as bonne mine !» Ah bon? Et pourtant non, hein. Pourtant je suis méga crevée, je suis en train de crever de tous les virus de saison, mais non, j'avais bonne mine. Alors je pense que je suis pas la seule à avoir
constater les effets. Donc clairement, l'aspect terne du teint est complètement contrebalancé par la photomodulation. J'ai constaté que j'avais la peau d'une douceur, mais effectivement beaucoup plus que d'habitude. Effectivement, la peau est vraiment très douce. Bon, lisse, oui, parce que je trouve que ça joue aussi sur les pores. Donc si vous voulez, entre mon sérum à la vitamine C, le C20 d'OST, plus maintenant mon Tendalux, je cherche mes pores. Et ça, j'ai gagné mon combat. Et pour moi qui ai une peau fine, j'ai remarqué que ma peau était plus épaisse, plus fortifiée. Vraiment, on sent que la peau est durcie, quoi. Alors ça fait un effet, vraiment, on sent qu'elle est plus tenue, quoi, plus musclée, plus... Vraiment, c'est assez impressionnant, je suis d'accord, parce que vous vous dites, non mais ce sont des loupiottes, hein, des petites loupiottes rouges, et puis là, tout d'un coup, quand même, ça commence à peu jouer sur l'aspect de la peau, mais en fait, ben oui, écoutez, force est de constater que oui, je suis pas la seule, donc Natamélie a pu constater que la photomodulation marchait bien, je la remercie d'ailleurs pour le tuyau, et moi j'ai pu constater aussi que ça marchait très très bien. Donc en gros, comment je l'utilise? Eh bien écoutez, c'est simple, hein, le soir, quand je me fais des vidéos sur YouTube, c'est mon petit moment de détente, et ben... je le fais avec mon appareil, donc vous le branchez, vous appuyez sur le bouton, il fait bip une fois, vous le mettez sur la peau. Moi je vais vous montrer. Donc 2 minutes, je le branche et je vous montre. Donc on le branche, voilà, on l'allume, il a bipé, voilà, vous voyez la lumière, hop. Voilà, bon, 3 minutes, on reste comme ça, voilà, donc le temps de regarder une vidéo, une autre, enfin voilà. Le mercredi c'est bien parce que c'est le jour où toutes les vidéos sortent et là vous avez vachement le temps de le faire. Donc voilà, enfin vous pouvez faire autre chose, donc pareil, alors il s'arrête dès que vous le sortez de la peau. Et puis dès que vous le remettez, voilà, donc vous mettez les zones, 3 minutes par zone, voilà. Donc en gros j'ai envie de vous dire qu'on en a pour 20 minutes, une demi-heure à peu près, 3 minutes par zone, voilà, vous faites le front, on va dire, ouais, les yeux, un petit peu là, le sillon nasogénien, bon, et puis c'est marre. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, comme je vous dis, ils vous disent que 2 fois par semaine ça suffit largement. Donc ça fait chauffer aussi un peu la peau, je vous rassure, hein, vous n'allez pas être brûlé, au contraire c'est vachement agréable, surtout là en hiver, alors je sais pas en été, hein, on n'y est pas encore. Je verrai si c'est désagréable en été parce que c'est une chaleur, mais là en hiver c'est super agréable, cette petite chaleur là sur le visage. Bah écoutez, moi perso c'est chouette. On le fait sur une peau complètement démaquillée, sans trace de maquillage, ni de produits, etc. Et après l'avoir fait, on voit que la peau est vraiment, moi qui ai tendance en ce moment à ce qu'elle tiraille un petit peu au sortir de la douche, elle est un petit peu desséchée, quoi, déshydratée. Bah là vraiment on sent que ça lui a fait du bien, quoi, elle est contente. Puis surtout après les actifs des produits de soins que vous mettez pénètrent beaucoup mieux dans la peau, donc c'est vraiment double efficacité, c'est tip top. J'ai juste envie de vous dire un truc aussi, c'est que là donc j'ai pris effectivement le Tendalux qui est vraiment un traitement contre les rides, mais figurez-vous qu'il existe le Tendaclear Plus qui est un traitement contre l'acné avec une lumière bleue. Alors je me suis pas vraiment penchée sur la question, mais il paraît aussi que c'est très très efficace et les têtes sont interchangeables. Donc si vous achetez l'appareil et que vous changez juste la tête, enfin vous pouvez faire les deux, quoi. Vous pouvez faire les LED rouges pour l'aspect de la peau, les rides, etc. et la LED bleue pour le traitement de l'acné, et il paraît que ça marche vraiment très très bien. Bon, moi j'ai pas testé puisque plus d'acné, fini, mais donc si ça marche aussi bien que le traitement contre les rides, voilà, vous pouvez éventuellement vous diriger vers ça pour traiter votre acné de façon plus, on va dire, naturelle. Évidemment ils vous disent que si vous avez des rides trop profondes, bon bah ça marchera pas trop, mais je pense que ça peut quand même améliorer. Bon, je vous dis, moi j'ai une ride assez creusée là aussi au niveau du sillon nasogénien, et ça peut franchement marcher, je pense. Je rajoute juste que ce ne sont pas des UV, hein, donc il n'y a pas de danger, c'est pas, voilà, vous faites pas, c'est pas un traitement UV, hein, c'est sans danger, hein. Est-ce que ça vaut l'investissement? Ils vous disent que il y en a pour à peu près 300 heures d'utilisation. Moi je pense que ouais. Moi je pense que ça vaut l'investissement, en tout cas je le regrette pas. Donc voilà, si ça vous dit, je vous mets toutes les infos en bas. Si vous avez envie d'essayer un truc qui, je trouve, est assez révolutionnaire et efficace dans le traitement des rides, qui est vraiment un plus, bah écoutez, allez voir en bas. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce produit. Moi vraiment, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire. Je remercie encore Natamélie d'avoir lancé la piste, même si c'est pas le même appareil qu'elle, mais d'avoir lancé la piste de la photomodulation. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, c'est simple, c'est gratuit, c'est un clic. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.